Il me semble que personnellement, hein, je parle niveau amoureux forcément, tout te sourit en ce moment. D'ailleurs, je crois que ces petites briques qui sont derrière, eh ben, elles sont à Londres, c'est ça? Je crois que t'as raison. Mon être, comment elle est trop belle! Ben oui, c'est ma petite Chanel. Comme Kim? Comme Kim et moi, ça s'écrit S-H-A-N-E-2-L-E. Allez, mais c'est pas la chaîne qui est intéressante, c'est toi, c'est ta vie, Stéphanie. Oui, ben là, je suis actuellement à Londres. Bon, je vis pas encore, mais c'est vrai que voilà, j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui est français. Ouais. Et honnêtement, ça se passe énormément bien. Je ne vais pas dire mieux, en fait. C'est le love. Ouais, vraiment. La passion. Vraiment, ça faisait longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Vraiment. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait vraiment et surtout du bien. Sentir que c'est réciproque, en fait. Ah oui, bah là, ça fait encore plus du bien. Et je crois qu'il s'appelle Théo, c'est ça? Oui. Par contre, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. Alors là, ça fait un peu plus d'un mois et demi. Ah bah oui, un mois et demi, c'est encore frais. C'est tout récent. Oui, c'est tout récent, mais c'est vrai que ça va pas voir le fait qu'il soit à Londres, donc je fais les allers-retours. Ça nous permet de nous manquer, donc c'est d'autant plus bien. Et puis voilà, on est un peu pareil, voilà, on est sur la même longueur d'onde, en fait. Et là, du coup, on part en vacances tous les deux mardi. Là. C'est génial, vous partez où? En Martinique. Comme si t'avais pas assez de soleil à Marseille. Mais remarque, tu vas me dire à Londres, tu n'as que de la pluie. Ça y est, en plus, il fait pas beau à Marseille. Mais non, voilà, c'est très. Il y a des relations comme ça qui peuvent pas s'expliquer. Et que ça, il y en a que tu vas rester un an avec le mec, et ben tu vas pas ressentir ça. Et là, que ça fait un mois, ben tu ressens des choses que ça fait longtemps que j'avais pas ressenti. Donc voilà. Oui, c'est pas la durée qui compte. Et je suis sûre qu'en plus, t'étais en train de le regarder du coin de l'œil. Non, je lui ai dit de sortir parce que j'ai pas parlé devant lui. Ah bah oui, c'est gênant. Moi, je pourrais pas dire ça comme ça. Au bout d'un mois et demi, mais bon, en même temps, vous avez l'air, je le connais pas, mais vous avez l'air très fusionnel. Oui, comment tu vis ta nouvelle vie à Londres, même si tu n'y vis pas, mais tu y es très souvent, hein? Ouais, ben honnêtement, moi, ça depuis jeune, j'ai toujours aimé cette ville, donc j'adore y retourner. Je me suis fait mes petites habitudes, voilà, c'est vrai que moi, je parle un petit peu anglais, donc voilà, je suis pas non plus dépaysée. Ça se passe bien, honnêtement, ça se passe bien. Ça me permet aussi de souffler, d'être loin de Marseille, tu vois, d'être avec de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, pourquoi pas se créer d'autres choses, donc ça peut être sympa aussi, tu vois. Même niveau professionnellement, donc voilà, franchement je pense que la ville aussi fait que j'aime parce que j'adore Londres, et donc du coup c'est d'autant mieux, tu vois. Est-ce que vous évoquez un petit peu votre avenir? Alors je veux pas mettre la charrue avant les bœufs du tout, mais c'est vrai que quand on est dans la passion, au bout d'un mois, un mois et demi, deux mois, on peut se laisser un petit peu aller à la rêverie en se disant bon bah tiens, si ça continue, qui viendra emménager chez qui, parce que voilà, on peut pas éternellement se voir une fois tous les 15 jours. Bien sûr, et d'ailleurs on en a parlé, t'inquiète, honnêtement je pars du principe que là, pour le moment, ça me convient, mais qu'à un moment donné, ça me conviendra plus, autant pour lui que pour moi. Et ça sera moi qui partirai, et je partirai à Londres. Et t'as pas peur de quitter ta famille? Je sais que t'es très fusionnelle avec ta maman, par exemple. Comment tu sais? Mais je prépare mes interviews, Stéphanie. Ouais, ben j'espère en fait que ma mère va pas voir l'interview. C'est tout ça, parce qu'elle sait pas ça encore, elle croit pas. Des fois, elle Coucou, me dit maman. Oui, bon, tu vas partir à Londres. Mais non, t'inquiète. Bah, allez, entre nous, personne nous regarde. Honnêtement, oui. Ben, tu sais, on en a parlé, franchement, j'ai rien à cacher, mais on en a parlé. Et lui, par rapport à son travail, c'est pas lui qui doit partir, c'est moi. Et puis même professionnellement, je pense que ça sera mieux pour moi d'être ici pour plein de choses. Donc du coup, non, on en parle et je pense que dans les mois à venir, si ça continue, je viendrai déménager à Londres. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu ferais comme boulot si tu vivais à Londres? Après on a des sociétés. Enfin, c'est pas comme si je faisais un métier où je travaillais de 8h à 17h tous les jours et que j'ai besoin d'aller au bureau. Je peux faire tout ce que je fais de mon ordinateur. Donc je peux être dans le monde entier, ça me dérange pas. Donc et là, je suis à Londres, d'autant mieux. Il y a beaucoup d'avantages. Je rencontre de nouvelles personnes pour avoir des nouveaux projets, donc ça peut être bien, honnêtement ça peut être bien, et voilà, autant professionnellement qu'amour. Est-ce que tu continuerais les Marseillais ou pas, même si t'es à Londres? Oui, je pense que oui, je continuerais si elle jouait les Marseillais, je le ferais, oui, totalement. Bon, je serais un peu londonienne, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il en pense d'ailleurs, Théo, de ton métier, hein? Je suis désolé, mais moi je le dis, je l'assume, c'est un métier, ouais, aujourd'hui. Bien sûr, c'est merci. Non, qu'est-ce qu'il en pense? Ben, c'est un petit peu compliqué quand même pour lui à gérer, dans le sens où on va pas se voir en tournage, c'est un mois et demi sans se voir, sans s'appeler. Je pars quand même avec Antonin et voilà, c'est mon ex. Oui, Antonin, on sait que t'as été pendant 4 ans avec lui. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Après, c'est une question de confiance et je pense qu'il peut, enfin, je sais même pas que je pense, c'est que je suis sûre qu'il peut avoir confiance en moi parce que je m'en foutrais des autres, je le sais comme je suis.